Bonsoir et bienvenue dans l'émission Agir ensemble. L'émission traitera ce soir le problème ou la maladie de l'épilepsie. Et notre invité, c'est Dana Tchengen, qui est le vice-président de EDIX Epilepsy Group, une association, une ONG. Dana Tchengen, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble. Merci pour présence sur ce plateau-là, Dana Tchengen. La première question, nous connaît qui, dans le passé, ou fin même le président de MACOS et où est la vie professionnelle. Laisse-nous découvrir qui est Dana Tchengen. En effet, professionnellement, j'étais à Savannah, j'étais farm manager de Savannah, donc dans le groupe ENL, responsable département de l'élevage à Savannah. Et je suis toujours œuvré pour le social, dans le sens que nous évoluons au niveau ban club, des jeunes, au niveau du village council, au niveau du district council. Et dans sa parcours social-là, on a aussi passé dans la jeune chambre économique. Aujourd'hui, moi, je suis sénateur de la jeune chambre économique. Sénateur, c'est-à-dire, c'est un titre de reconnaissance, comme on devine, comme si on venait de ma vie pour la jeune chambre économique. Et à un moment donné, nous évoluons, nous faisons beaucoup de formations à plusieurs niveaux. Et moi, je suis aussi président de MACOS, qui nous amène beaucoup de développement dans le secteur du social et surtout pour l'encadrement de ban ONG. Et c'était en 2003, moi, je suis président de MACOS. Et au fait, je trouve l'organisation EDIX, qui est fondée par M. Youssouf Nou Mahmoud avec quelques volontaires. Je suis avec nous dans MACOS, je suis impressionné par le travail qui se peut faire. Au fait, ils tiennent l'organisation qui est l'encadrement de ban jeunes. Mais pourquoi nous arrivons à trouver aussi en même temps qu'il y a un cas d'épilepsie dans la société et surtout parmi les jeunes. Et là, ils expliquent moi, ils disent moi, nous commençons à faire une recherche ensemble, ils font beaucoup de recherches dans le domaine. Et pour comprendre mieux ce problème-là, parce qu'au fait, le problème d'épilepsie, il est parti tellement compris par le public, s'il y a un peu quelque chose qui, comment dire, une personne gagne une crise d'un coup, et tient en plusieurs l'opinion là. Préjugé. Oui, préjugé là. À l'époque-là. Et il fait beaucoup de recherches aussi, mais là, nous trouvons qu'il, par rapport avec l'information qu'il nous gagnait, nous trouvons qu'il faisait de l'information publique. Ils ont encadré une famille côté non, une personne avec épilepsie. Et ils ont fait formation aussi, une instance publique, côté nous côtoie le public, parce qu'il y a un cas qui est capable d'arriver n'importe où, n'importe qui dans la société. Et donc, là, nous commençons par clustering, c'est-à-dire nous prenons un groupe la santé, un groupe dans l'éducation. Un groupe dans la discipline, par exemple, un groupe, par exemple, la police, donc un service public. Nous commençons dans une co-formation, nous faisons recherche aussi. Et M. Youssouf aussi, de par ce travail qu'il fait, lui-même, aujourd'hui, il est le vice-président de IBE Africa, c'est-à-dire le Bureau international d'épilepsie de l'Afrique. Donc, nous pouvons évoluer aussi au niveau de l'Afrique et ça permet de nous de gagner un maximum d'informations à travers IBE Africa, à travers International League of Epilepsy. Et nous-mêmes, aujourd'hui, nous pouvons côtoyer aussi l'Organisation mondiale de la santé, mais aide-nous aussi pour reconnaître le problème d'épilepsie et pour donner la chance, parce que si nous allons un petit peu plus, il est important qu'il me dise aussi quelque part qu'il y a une personne qui est affectée avec épilepsie, il est capable d'être à tout âge, il est capable d'être petit, bébé, enfant, adulte ou même une personne âgée. Nous gagnons quasi à cause de ça, l'aspect différentes tranches d'âge d'épilepsie. Mais là, dans la Schengen, dis-nous, nous sommes contents d'expliquer l'historique, parce que vous pensez vous investissez dans ce combat depuis plusieurs années. L'historique et l'évolution. Qu'est-ce qui était avant et qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui pour qu'on nous cause la maladie de l'épilepsie, qu'on nous cause la crise épileptique? Connais longtemps, nous tuer quand des enfants gagnent convulsions.
avec une fièvre faute, je deviens une espèce de convulsion, parfois ça, tu es capable de développer l'épilepsie. Épilepsie, c'est pas une seule crise. Comment dire, on a une crise ou tomber. Et quand on gagne deux coups, trois coups, là, il y a une épilepsie. Épilepsie même, c'est quoi? Épilepsie, c'est un problème dans le cerveau. Ça veut dire une suraction. Pareil, comment dire, on a une couche qui est électrique ou on a une surcharge électrique. Donc, à ce moment-là, ben, il y a affecté au cerveau. Il dépend maintenant à plusieurs degrés. Et on est capable de gagner, c'est par rapport avec ce l'état-là, hein? Donc à plusieurs degrés. On peut avoir un mal, comment on peut avoir un acute. Parfois, une personne affectée avec l'épilepsie, ou tout, comment dire, fait un rigole ou peut fixer le haut dans ce silence, il reste tranquille. Et non, je te fixe où, après je te développe une crise, quand tu manifestes, tu es tombé. Et là, c'est là que tu es. Et puis, c'est-à-dire, là, tu es en fonctionnement. Quand tu as une perte de conscience, elle est tombée. Et là, ce qui est important, il est important que cette personne-là, au moins, une personne qui est à côté de lui, capable de prendre soin de lui. Tout de suite. Pas besoin de faire grand-chose, mais mettre-le dans l'état que tu es capable de passer sa crise-là, parce que la crise-là est pour temporaire. Et quand il passe sa petite période de crise-là, il est pour retourner normal. Il peut être un petit séquel, automatiquement, ou dans certains cas, quand je te réponds normal, mais il n'est pas besoin de sa petite encadrement. Ce qui est important, c'est que surtout quand je gagne sa crise-là, c'est quand je tombe, il est important qu'il. Je ne parle pas tomber dans une place dangereuse, par exemple, dans l'armée. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait une surveillance. Mais n'empêche qu'il peut-être à l'air capable d'une cause un petit peu l'eau, une personne qui est affectée avec l'épilepsie, est-ce qu'ils ont quand même une vie normale? Normal, ça est très important. Nous allons parler de cause d'asile après là. Mais avant cela, dans la Schengen, je me pose trois questions pratiques parce qu'une cause de préjugés, peut-être dans le passé, je ne sais pas si je comprends. C'est quoi la crise épileptique? Peut-être que le sujet était même tabou. Une famille type cassiette, si deux enfants type gagnent épilepsie. Alors, est-ce que c'est héréditaire? Parfois, nous disons héréditaire, mais il n'est pas nécessairement dans tout le monde qui est héréditaire. Hein? Capable, dans quelques cas, c'est par rapport avec les conditions parfois de la vie dans certains groupes de familles. Mais généralement, pas héréditaire. Deuxième affaire, c'est qui normal longtemps, c'est qui quand une personne a une crise comme ça dans la famille, je te cache de lui parce qu'il tient un préjugé. On a des mauvaises idées une passée. Vous connaissez comment longtemps parfois par manque d'informations, tient tout ce qu'a des interprétations. Une spéculation. Mais après, là nous trouver scientifiquement qui côté Livini ça petit problème d'épilepsie là. Côté dans sa petite, une couche électrique, ou sinon il y a une surcharge électrique comme si dans la tête, parce que nous avons des neurones dans la tête qui permettent nos cerveaux de travailler, et comment il y a une petite couche électrique automatiquement, il est affecté, ou généralement. Et donc, ça m'a un préjugé là, il me cachait beaucoup de cas. Et là, en même temps, avec une recherche aujourd'hui, nous trouvons aujourd'hui qu'une personne qui a une épilepsie est capable d'avoir une vie normale. Dans la Schengen, ou un professionnel dans le domaine, la question qui posait également, par exemple, un Zimoun qui finit de faire une crise, ou fait expliquer à l'ELA qu'il est capable de tomber, et d'y tomber, parce qu'il fait une course circuit. Nous trouvons également qui la chaîne, une bile. Est-ce qu'il y a des gens qui disent contagieux? Est-ce que c'est vrai? Non. Il n'y a aucun cas d'épilepsie qui est contagieux, surtout. Oui. Et là, ce qui est important, vous pensez, c'est l'information, surtout important. Pour les publics. Oui. C'est que si il y a une personne qui gagne une crise d'épilepsie, il est important peut-être qu'ils soient encadrés. Capable de manipuler, sans problème. Mais c'est moi, vous mettez toujours dans une position confortable, que tu as permis de continuer à respirer, de continuer à prendre sa respiration normale et de ne pas venir dans une position que tu es capable de tout faire parce qu'il y a une crise, de ne pas connaître dans quelle position tu es capable de tomber. Ça, c'est surtout très, très important.
Et deuxième affaire, c'est que les là, en même temps, visent gagner renseignement la personne, parce qu'il parfois est capable dans le public, une personne tombée, et il ne faudrait pas qu'il nous laisse lui. Parfois, quand une personne tombe, il y a une crise, nous mettons à l'écart, nous interprétons mal les affaires. Non, c'est qu'il a les besoins de nous encadrement, les besoins de nous soutien. Nous aussi, parfois, quand on a une crise épileptique, ou avant ou après, parfois, les craintes de migraine. Et là, quand on dit que ceci, nous, dans nos bonnes, parmi nos bonnes activités, nous faisons aussi paramédical, nous sommes un physiothérapeute, quand nous donnons un service physio à certaines personnes qui sont affectées par l'épilepsie, juste pour capable permettre de comment dire, vivre normal, parfois, les autres qui ont une migraine, un mal de tête. Nous avons aussi le docteur Lam, qui est un neurological surgeon, qui est avec nous, qui aide nous dans l'épilepsie pour refaire un cas médical, parce qu'il y a un problème quand même neurologique qui est capable d'affecter surtout problème mental. Mais il n'y a pas un problème qui pourrait cela en permanence. Il est temporaire et dans ce traitement, mais ça dépend à différents degrés. Ou quand il y a parfois un cas d'épilepsie mild, avec un traitement normal, il est passé. Et ils sont capables de suivre ce train de vie normal. Et dans un cas qui est un petit peu acute, et là, ils ont besoin de suivre ce traitement. Et ça aussi, il peut diminuer la fréquence de crise. Mais et non, parfois, il est bien affecté, même ça peut être à peu près 15 à 20%. Ces gens-là qui sont bien affectés, là, peut-être, ils ont besoin d'une assistance sociale, un carer, pour capable occuper pour qu'ils vivent la vie normale. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une personne, au moins 70% hein, des personnes qui sont affectées par l'épilepsie, sont capables d'amener la vie normale. Gagner de l'éducation normale, capable aussi de travailler normal, et capable de vivre normal et participer dans l'activité normale. De retour sur le plateau de l'émission Agir Ensemble, notre invité, c'est Dana Schengen, qui est le vice-président de l'association EDIX Epilepsie Group. Dana Schengen, nous faisons une cause sur l'aspect personne qui atteint de crise d'épilepsie capable d'avoir la vie tout à fait normale. Ça, vous pensez, c'est très, très rassurant. Quand nous disons la vie normale, est-ce que ça dit, Mounla, ses enfants, aujourd'hui, qui probablement victime de crise épileptique, est-ce qu'il est capable de grandir normalement, à gagner à l'école et travailler normalement et peut-être il y a une vie comme tout le monde, il y a une vie tout à fait normale. Est-ce qu'il est possible ça? C'est une question très très importante que vous me posez. Vous connaissez, au fait, 70% de personnes qui sont affectées par l'épilepsie, sont quand même une vie normale. Mais seulement, il est tellement causé un stigma dans la société. Écoute, là, maintenant, je pas gagné la chance pour capable participer dans le mainstream du développement, que ce soit pour l'éducation, la formation et l'emploi. Par exemple, maintenant, on peut évoluer, on espère que ça mène l'information. Là, surtout, ça pour aider le public et pour aider surtout les responsables. Et de toute façon, nous aussi, nous pouvons faire une sensibilisation dans la société pour capable remédier à ce problème-là. Par exemple, dans l'école, vous avez un enfant qui est en une crise d'épilepsie, il y a pourtant qu'il y a un encadrement, par exemple, il y a un médicament pour lui prendre, un médicament très, très important. Une fois qu'il y a une épilepsie, on ne dit pas pour qu'il guérir comme ça, mais nous pouvons le traiter. C'est-à-dire qu'il y a un suivi avec médicaments. Donc, c'est surtout là, ça l'encadrement pour qu'il prenne ce médicament et pour qu'il ait toujours une petite attention au lit, qu'il ait un petit peu par rapport avec son comportement et qu'avant, il est capable de suivre ce coup l'éducation normale. Travail normal après? Travail normal après. Est-ce qu'il est capable de conduire le tout? Conduire sur le tout? Est-ce qu'il est possible? Il est possible qu'il est capable de conduire sur le tout. Mais seulement, bien toujours est-il qu'il y ait une assistance avec lui. D'accord. Toujours. Parce qu'il y a une crise capable manifester. Mais
pardonnez, mais c'est surtout sous la pression. C'est surtout quand crise a manifesté, c'est ça la question. Quand crise a manifesté. Bien souvent sous pression, la pression. Oui. La pression. Quel type de pression? Stress, anti-pression, etc. Mm-hmm. Mais si bien traité, s'il prend ce médicament et s'il y a l'encadrement qui vise, ça veut dire conversation avec la famille, l'encadrement avec son bon camarade, avec ses collègues, il amène les rendre dans un système normal. Automatiquement, il pas pour gagner tellement pression et quand il gagne moins de pression. Et il fait ce suivi avec les médicaments, il n'est pas pour gagner sur une crise d'épilepsie. Dans la Tchengen, est-ce qu'il nous connaît à peu près combien de personnes, à Maurice, voire Rodrigo aussi, est-ce qu'il y a un chiffre qui a dit à peu près combien de personnes qui gagnent épilepsie? Normalement, il y a un taux de 1 à 1,5%. À Maurice, il y en a à peu près 15 000 qui déclarent, parce qu'il y a beaucoup de cas aussi qui n'ont pas déclaré. Et nous aussi, nous sommes dans l'école. Quand nous sommes aussi, nous avons à peu près 1900 patients qui suivent nos bons traitements, suivent nos bons conseils, viennent suivre nos bons traitements paramédicaux. Et nous sommes aussi dans l'école à Rodrigue, quand nous avons 25 enfants là-bas. Et là-bas aussi, nous faisons de l'éducation. Parce que vous connaissez ce qui est arrivé à un moment donné dans la société, une personne qui est affectée par l'épilepsie, ben, finalement, comme si je n'ai un peu laissé pour compte, dans le sens qu'ils ont pas à l'encadrement qui est bizarre. Donc, maintenant, comme je dis, nous faisons un petit rattrapage. Et dans nous, l'école, nous avons des enfants, plusieurs âges, malheureusement. Mais c'est surtout pour capable de nous aider à développement basique, gagner l'éducation basique, et en même temps, faire les outils extracurriculums, par exemple, faire la cuisine, faire le jardinage. Donc, c'est ça, un petit cours de formation qu'il nous essaie de faire, nous, avec nos bons enfants, pour, comment dire, nous, encadrer tout. Et quand nous faisons ça, en même temps, nous encadrons les parents aussi. Et dans la société, dans nos bons l'information, nous expliquer aussi comment capable récupérer sa bonne personne qui, à un moment donné, comment dire, rate le train de la vie. Et moi, je pense avec l'évolution, si l'information bien étant dans la société, et qui nous capable à l'avenir encadrer surtout ces personnes-là et faire ça vivre cette la vie normale. Dans la Schengen, moi vous demande une question très basique. Moi pensez il y a pas autant qui nous gagne cette information-là parce qu'il a tenu moment dans la société nous capable trouver un zimoun qui fait une crise d'épilepsie. Alors si nous trouve ça, qui va le premier soin, premier secours, qui besoin faire, qui besoin donner ça zimoun-là? Moi, je fais premier appel. Premier appel, c'est que dans toute ma famille, qui se connaît une personne qui est affectée avec l'épilepsie, prend contact avec l'organisation, nous pouvons nous donner l'information qui vise à premier encadrement. Deuxième encadrement, c'est que dans le pire groupe, on a un camarade. Si je connais, un camarade ou parmi eux, et non quelqu'un, quelqu'un qui est affecté par l'épilepsie, prend contact avec nous. Il est important que, comment dire, ce n'est pas parce que nous avons toutes nos bonnes facultés, nous avons tous les moyens, mais nous ne paguons pas les autres. Parce que les autres qui ont ce manquement-là, eux disent nous dans la société. Mais à ce moment-là, nous demandons, comment dire, avec un élan de solidarité, à ce moment-là, je prends contact avec nous, nous pouvons donner un renseignement qui est bizarre et qui est capable d'aider. Parce qu'il y a une crise d'épilepsie, comme on nous fait dire tout à l'heure, elle arrive n'importe où dans la société. Et ce qui, si nous sommes dans le monde informé, à ce moment-là, on peut prendre une disposition pour comment dire, épanouir surtout de la difficulté ou capable d'avoir même perte de vie. Énorme perte de vie, par exemple, noyade dans la mer, ou tombe dans une place assez dangereuse. Ou peut-être la famille capable de les autres allemands sans aucune surveillance, capable de tomber dans un coin pendant une crise. Et donc tout ça, c'est c'est-à-dire, nous disons toujours, precaution is better than cure. Ben, autant que possible, voilà, bien important, surtout ben personnes qui ont un petit problème mental, et comment dans le cas d'épilepsie, et ben personnes qui sont affectées avec un problème neurologique. Il est important qu'ils nous donnent un encadrement. Donc, on fait l'appel au public. Prends contact avec nous à l'organisation EDIX, c'est l'ONG qui est à Maurice, mais nous répondons toujours présents à tous ceux qui viennent taper nous la porte et nous pouvons nous donner l'information qui est bizarre. Ou sinon, aujourd'hui, dans Google aussi, ou tape un petit, ou tape le Google, ou avoir de l'information sur l'épilepsie, ou pour beaucoup d'informations. Mon revient sur cette question-là, encore une fois, dans la Schengen.
Par exemple, si surtout un dimoun, il fait une crise, qui va le premier soin qui nous a donné rapidement, si vous pouvez expliquer nous ça. Première affaire qu'il faisait, c'est de mettre, allons-y, dans une position normale pour qu'il, comment dire, qu'il continue à prendre sa respiration. Par exemple, ou vient lui de côté droit pour qu'il, comment dire, qu'il continue à faire sa respiration. Il ne fait pas pression sur les cœurs, premièrement. Et deuxièmement, il met quelque chose de comment dire, sauf sous la tête, parce que sur la tête, comment dire, lui a une face dure, ben, il prend un petit peu pénible. Donc, une petite précaution comme ça, laisse sa crise traverser. Et si non, ce bon contact, prend contact avec sa famille ou prend contact avec une personne qui se connaît, qui est capable de donner les soins qui bizarre. Et il est là peut-être qu'à transporter lui, donner les bonnes soins qui bizarre. Mais seulement, bizarre n'est laisser à l'aise. Ça qui, c'est ça qui est plus important. Nous, vous appelez le bon tranche d'âge. Est-ce que le cas de nous qui bon tranche d'âge qui atteint l'épilepsie? Bien souvent, mes enfants, surtout quand je gagne une convulsion, avec une forte fièvre, parfois ça capable d'affecter. Quand ils ont des enfants, à peu près quel âge, hein? C'est bébé. Bébé. Hein? Il y a atteint l'épilepsie aussi. Ben 2 ans, 3 ans, je suis capable. Oui, oui, je suis capable de gagner une crise avec une forte fièvre, qui a développé une épilepsie. Et non aussi, parfois, à la naissance même, parfois, il est capable d'arriver accidentellement. Ou sinon, avec évolution, avec stress, parfois. Est capable, en cours de route, un jeune, même dans l'environnement ou un petit stress, est capable d'affecter une petite crise ou sous pression. Ou sinon, surtout dans mon cabane alcoolique, ce que nous remarquons surtout à Rodrigue. Il y a beaucoup de cabane, madame surtout alcoolique, qui développe une crise d'épilepsie dans le temps. Donc, à tout âge, à tout âge. Après, vous connaissez, les où arrive, vous gagnez aussi un problème comme Alzheimer. Après, ça, si c'est usage du cerveau, ne pas dire directement épilepsie, bon, il y a un problème qui est associé. Donc, à tout âge, vous êtes capable de gagner une crise d'épilepsie. D'accord. Est-ce qu'il nous cause maintenant un peu l'association, l'encadrement qui est offert pour l'association à ce moment-là, Dimoun, qui est victime de crise d'épilepsie? Oui, nous avons avec nous ici à Maurice, nous avons à peu près 1900 patients. À Rodrigue, nous avons à peu près 250 patients. Et nous avons une école aussi de presque 25 étudiants, comment on dit, ou à tout âge, quand nous faisons l'éducation basique pour se former eux-mêmes, se encadrer eux-mêmes. Après, nous amenons eux vers une activité extracurriculaire, c'est-à-dire je gagne un petit métier demain ou un petit formation, faire la cuisine, par exemple, je gagne faire le jardinage, je gagne pas faire. Nous dire, surtout à l'extérieur, il y a beaucoup de personnes épilepsies, mais je gagne l'emploi. Par exemple, dans Singapour ou ailleurs, il y a une personne qui gagne l'emploi facilement avec un encadrement. Mais donc, Maurice, nous pouvons essayer de faire ça. Et nous encadrer une famille, nous faire une formation avec une famille côté de la cas d'épilepsie. Et ensuite, nous faire la formation avec plusieurs groupes de personnes. Par exemple, il y a une personne qui travaille même dans le système médical. Je fais la formation médicale, mais spécifique sur l'épilepsie. Pénale. Donc, à ce moment, nous amenons sa formation-là. Par exemple, un policier, un professeur. Même un groupe jeune dans le ministère de la jeunesse. Nous travaillons en collaboration avec le ministère. Et nous travaillons aussi, là, l'Organisation mondiale de la santé. Ils mettent l'épilepsie comme un de problèmes prioritaires pour qui influence pays, l'État membre, pour capable de nous donner une meilleure considération. Par exemple, de nous donner l'encadrement, de nous donner la formation, pour qu'il n'y ait pas de risque, comment dire, derrière dans le système du développement. Et ça, nous pouvons suivre l'idée près. Nous, la société civile, nous faisons la sensibilisation, nous aidons sa processus, ça peut y arriver à fonctionner. Nous avons aussi, par exemple, dans la période de pandémie, quand nous avons un soutien de Foodwise, qui aide nous avec un petit supplément alimentaire, que nous sommes capables de donner à cette personne-là. Parce que, écoutez, cette personne qui est affectée par l'épilepsie, j'ai besoin d'un espace que je suis capable d'épanouir. Plus je renferme les autres, c'est-à-dire qu'on a un stress avec les autres. Donc, à ce moment-là, comment dire, nous permet de comment dire, vivre la vie normale. Donc, le café sport. Je suis capable. Et ça, une question très, très importante qu'on me pose, moi. Je suis capable de faire sport. Bien souvent, parfois, par exemple, j'ai envie de jouer un petit match de football, je suis capable de jouer.
Vous avez envie de faire un petit jeu de groupe, vous êtes capable de faire. Mais... Je pense qu'il y a une crise, là. Non, 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 non. Seulement, vous avez une rigole aux autres. Mm-hmm. Et bien, on est content, vous avez envie de participer dans un jeu de société. Et là, parfois, dans le pire groupe, nous créer, comment dire, parfois, l'opinion nous dit non, on n'a pas affecté. Non, 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 au contraire, il y a pas autant qui nous encadrent dans un jeu de groupe. Par exemple, que ce soit football, que ce soit volleyball, mais avec précaution, surtout. La question de la Schengen, est-ce qu'il y a une guérison totale de quelqu'un qui n'atteint d'épilepsie? Malheureusement, non. Malheureusement, c'est ce qu'il y a avec toute une richesse. Pas encore peut-être trouver une solution idéale ou sinon remède magique pour capable soigner une personne qui est affectée. Mais par contre, il est capable de diminuer avec un médicament. Par exemple, une personne capable d'avoir une crise régulière avec traitement médicament, à ce moment-là, il peut gagner rarement une crise. Après, il est capable même pas gagner pendant un certain temps, mais il peut bien continuer sa traitement. Mais avec traitement médical, c'est sûr qu'il est capable de vivre sur la vie et il peut diminuer sa fréquence de crise là. Et à ce moment-là, il est capable sans problème de vivre sur la vie normale. La Schengen arrive à la fin de l'émission. Alors, le message à la population concernant EDIX Epilepsy Group, quel est le message qu'ils vont vivre passer? EDIX Epilepsy Group, nous avons un bureau qui trouvera pour lui. Nous avons un numéro de téléphone 208-1904-213-1733. Et à n'importe quel moment, je besoin de renseignements, prends contact avec nous. Pas l'espace de personnes qui besoin nous support derrière. À nous autant que possible, moi, quelqu'un qui évolue dans le social, moi, toujours, mettez-moi au service du social, moi, demande le public aussi, essayez de faire ça, petit geste-là. Ça, si nous capables et dans le confort pour pouvoir vivre convenablement, à nous permettre aussi, nous, bonne personne en général de la société, nous, tout humain, à nous capables de permettre tout le monde de vivre sa vie normale. Dana Schengen, vice-président de EDIX Epilepsy Group, merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de l'émission Agir Ensemble. On va vous souhaiter bon courage et bonne continuation dans ce gros travail qui se fait abattre au sein de l'association. Merci beaucoup et surtout merci pour la MBC. Pourquoi ce programme-là est très, très important pour amener la conscientisation et surtout pour porter un petit peu l'information dans la société. Ce sont les problèmes de société. Donc, c'est la seule manière pour que nous aussi, nous, comment dire, apportons notre contribution pour résoudre un petit problème de la société. Merci beaucoup. Merci et beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir Ensemble pour cette semaine. Merci pour votre attention et bonne soirée à vous.